Nous pourrions être à Rumio ou à Schwinchamp. En fait, nous aurions pu nous trouver dans n'importe quelle ville grolandaise. En fait, nous sommes à Grosville, capitale de la Présipauté. Ici comme ailleurs, les citoyens ont su contourner la crise. Cette pizzeria, par exemple, est tenue par un ancien plombier. Ce restaurant spécialisé dans le déjà tout préparé appartient à un agent immobilier reconverti et ce marchand de pain qui n'a pas le droit à l'appellation boulangerie est géré par une DRH licenciée pour cause économique. Désormais, 87% des Grolandais ont un nouveau métier pour lequel ils n'ont jamais été formés. Comme ici dans le cabinet dentaire de Géclume Pampizou, un ancien prof de français. Alors, ouvrez la bouche. Ne bougez plus. Petite prémolaire, avant de choir, je me dois d'accomplir un choix. Et retourner Horatio.